What's up tout le monde, c'est Risso, et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie. Donc j'ai attendu environ 24 heures pour, on va dire, atteindre un peu tous mes objectifs dans cette vidéo-là. Donc je suis toujours level 13, donc faut vite monter au moins au level 50, c'est extrêmement rapide. On va regarder un super ninja en espérant que je vais avoir la possibilité d'avoir un 5 étoiles. Ah bah non, attendez, faites voir. Recruit. Alors en fait, si vous voulez regarder en haut de l'écran, vous avez 74 heures, 28 minutes et 50 secondes. Ils appellent ça le countdown, c'est-à-dire que tous les 60, enfin non, en gros tous les 24 heures, vous aurez la possibilité, si vous allez dans le home, dans le super ninja, vous aurez la possibilité d'avoir en fait au hasard un ninja, un shinobi, mais ça dépend en fait. Voilà, enfin c'est vraiment du hasard. Et à partir lorsque les 74 heures vont s'écouler, si vous voulez, ce mode-là, enfin en tout cas cette option sera fermée et vous pourrez plus l'utiliser pendant 24 heures, 48 heures, un truc comme ça. Voilà. Donc normalement là je peux. Ah, attendez, this function will only be used after your turn level 40. Ok, ah oui, d'accord, faut être level 30. Ouh là 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 là, j'ai perdu cette habitude-là. D'accord, bon. Eh ben écoutez, c'est vraiment cucu. Donc je vais faire les premières choses dans ce jeu qui va être le sign-in. C'est-à-dire, voilà, je vais me faire un peu d'argent, ce qui est vraiment rien du tout, mais bon, c'est toujours quelque chose. Dans le login, on va aussi prendre 2000 pièces et je peux retirer normalement entre 2 à 5 étoiles au niveau des shinobi en espérant retirer un bon petit shinobi, mais ça va être tellement rare que en fait ça va servir à rien. Je vais faire la loterie vite fait pour voir si je peux gagner quelques petites pièces en or. On va voir ça. Ah bah attendez, ah bah j'ai gagné 50 pièces en or. Bon bah c'est pas mal, c'est pas mal. Time gift, donc ça c'est pour si je veux recharger. Donc là voilà, je peux absolument rien faire. Et puis c'est à peu près tout. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans le shop et puis je vais recruter donc entre 4 ninjas. Mais souvent voilà, c'est des petits ninjas. Pour l'instant, je suis un peu déçu parce que j'ai pas de 4 ou de 5 étoiles, enfin en tout cas de personnages qui me plaît. Et c'est vrai que moi j'aime bien honnêtement commencer avec un bon petit perso et j'ai pas eu cette chance-là de pouvoir, on va dire, bien voilà, bien le level up et sachant que tu vas le garder quoi. Parce que là, sachant que si je vais être obligé un peu de level up soit un des deux personnages ou voir un autre que je peux rajouter et je vais être assez déçu parce que je pense qu'au fil du temps, bah, je vais vouloir changer de perso. Et voilà, donc là je suis allé dans ma liste de personnages. Si on regarde bien et tout, donc forcément en bas j'ai les moins bons. Et si tu montes, bah tu vas accéder au meilleur qui est Baki avec 164, 213. Ce qui est relativement, bon, on peut dire, assez correct pour un 3 étoiles. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Hein. Je sais pas trop. J'ai quand même 230 pièces d'or. Hein. Ah ouais, quand même. Ah, ça fait pas mal. Ça fait pas mal, mais le souci vraiment, c'est que j'ai pas vraiment de perso qui me tienne à cœur. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans le training. On va continuer le training, mais je pense qu'il va falloir que je level up au moins un shinobi. Au passage, regardez en fait cette arme-là. Je l'ai beaucoup utilisée en fait. Si vous voulez, vous pouvez la gagner. Donc, forcément, comme je vous l'ai dit, en faisant un combat, vous choisissez entre trois surprises. Et j'ai failli la enfin je l'ai gagné, je crois que je l'ai au moins 2-3 fois dans ma première team. Donc voilà. Ok, bon. Alors là, ce que je vais faire, je vais continuer donc le petit truc. Bon, ça c'est vraiment une option, on peut dire. Enfin, bon, c'est pas le top quoi, mais enfin après voilà, ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même une application Android et donc voilà, là je suis level 15 et si on regarde en bas à droite, New Shinobi, c'est-à-dire que je peux déjà mettre quelqu'un d'autre dans ma team, mais voilà, après faut pas oublier quand même c'est une application Android, bon un peu, elle est gratuite, mais bon, vous pouvez payer aussi pour s'acheter des pièces en or comme on peut voir en haut à droite et qui vont vous permettre franchement, et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que vous pouvez faire avec parce que là j'en ai quand même 230, donc là je vais voir si je vais gagner ou pas. Je gagne, tant mieux, écoutez, on va continuer sans payer en se faisant un petit peu d'argent, pas beaucoup mais voilà, bon je suis déjà level 16 donc on va faire tourner, allez 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 allez, j'espère vraiment pas avoir l'obligation de payer. Alors normalement à la fin de cette première étape, je crois qu'on peut gagner Kakashi, qui est d'ailleurs un très bon personnage. Moi en plus, je sais pas, moi quand franchement, à l'époque quand j'étais, on va dire, bien fan de Naruto, c'est vrai que Kakashi pour moi c'était vraiment le perso quoi que t'as envie. Bah en fait finalement c'est un peu
Enfin, je sais pas, il est toujours, je l'ai toujours bien vu en fait, ce personnage-là, d'ailleurs, qui est juste là en première place. Bon, voilà, donc là, on va continuer, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, on en profite pour continuer, en espérant que je vais pas avoir affaire à trop de difficultés face aux futurs adversaires. Alors, donc, bon, bah là, forcément, on est obligé de continuer. Bon, ça me fait gagner un peu d'XP comme on peut voir. Voilà, déjà de level 19 et tout, c'est assez rapide. Mais par contre, c'est vrai que je me dis que c'est un peu galère. Ah, attendez, voilà, on va se passer level bientôt 20. Et puis surtout, bah écoutez, moi vraiment là, mon objectif, je me dis que si j'arrive peut-être à avoir Kakashi, voilà, donc là, je suis obligé d'utiliser. Quelque chose, enfin, dans mes ressources qui me permettront en fait de continuer, parce que comme vous pouvez voir en haut, la jauge en fait elle est enfin, la jauge elle baisse en fonction de mes trainings, ce qui est tout à fait normal. Alors, level 20, qu'est-ce qu'ils me disent? Level up, ah oui, parce qu'on est monté d'un niveau, ok, super, ok. Bon, j'ai gagné ça, ça, et le plus important c'est que j'ai gagné 5 pierres. En fait, les pierres vont vous permettre en fait de faire évoluer vos shinobi, et en plus de ça, j'ai gagné pour vous dire donc la possibilité, un tirage entre 2 à 5 étoiles, mais ça sera normalement c'est du 3 étoiles, voire une fois, je crois, il m'est arrivé d'avoir un 4 étoiles. Donc, on va dire que ça, enfin, voilà, faut vraiment être lucky, quoi. Faut vraiment avoir de la chance. Sauf que là, je peux en avoir 3. Voilà, donc là, je fais mes tirages de cartes qui est vraiment basique. Ok, bon, bah, c'est cool. On va revenir ici. On va revenir dans le training. On va revenir dans le training. On va. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Parce que j'ai quand même pas mal de pièces. Hein, et ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces, vous pouvez les perdre, je crois. En fait, lorsque les gens vont faire des combats contre vous, ils vont ramasser de l'argent. Et cet argent-là, ça sera une petite somme de ce que vous avez, de ce que vous détenez. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder le moins d'argent possible, normalement, sur soi. Je crois que c'est un peu ça le concept on va dire, des affrontements. Par exemple, là, voilà, j'ai perdu. Donc, là, il va falloir que je fasse un petit choix entre ces deux personnages, tout simplement. Donc si on regarde bien, Neji il a quand même 271 405 et Kimimaro a tout simplement 180 300. Donc logiquement on va bien renforcer plus Neji parce que je pense le garder beaucoup plus longtemps que l'autre personnage qui est pas si mauvais que ça. Donc là je vais utiliser la pierre. Donc en gros j'ai 75% d'avoir en gros, enfin là en plus ça sert pas à grand chose parce que si on regarde au niveau des pourcentages, je vais quasiment rien gagner. Et en plus, ça a un coût, donc je paye 50 pièces, mais pas en or. Et ça va finalement pas l'augmenter vraiment des masses. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement le level up. On va se le mettre. On va sacrifier en fait des shinobi qui sont pas très très bons, tout simplement, pour se permettre, donc pour le faire évoluer. Je vais le mettre level 10, on va pas se casser la tête. Regardez, en plus, ça coûte assez cher hein, quand même. Hein. Donc voilà, hop, 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 hop. Hop, voilà, level 10. Donc, il est level 10. Ça me coûte assez cher. Bon, il est pas. Il va pas être aussi fort que ça, faut voir. Ouais, il est vraiment pas bon. Bon, après, je l'ai peut-être pas fait de la meilleure façon. Moi, j'attends vraiment, en fait, finalement, d'avoir au moins un 4-5 étoiles. Donc là, on va faire passer et tout. On va faire passer le temps. Oh, j'ai gagné un personnage 3 étoiles. Qui est the best surprise of the surprise, quoi. Ça, c'est super plaisant. Allez, on va essayer de s'affronter. Je sais pas du tout, c'est peut-être qu'il est trop loin. Ah ouais, il est super loin en fait. En fait, Kakashi, il va être vraiment à la fin en fait. Faut l'avoir à la fin. Donc, qu'est-ce que je peux faire là? Je vais vous montrer un dernier truc en fait. Mais là, ça va pas me servir à grand-chose. En gros, normalement, vous avez le shop en fait. C'est la boutique qui vous permet de vendre. En quelque sorte, des shinobi qui sont pas très forts, ou alors s'ils sont très rares et tout. Et par exemple, hier, j'ai vendu un shinobi. Enfin, j'ai vendu. Non, j'ai échangé en gros un shinobi 5 étoiles contre, on va dire, quelque chose d'assez intéressant. Mais je crois que je peux pas y accéder au shop. Attendez, c'est où le shop déjà? Ou flash quelqu'un? Ou flash, je veux mettre au shop. Ouais, c'est là. Non, je peux pas utiliser tout de suite. Donc, ouais, en fait, je suis assez bloqué. Je suis assez bloqué. Bon, bah, ça va être un peu tout pour aujourd'hui. Donc, ça va être quelque chose d'assez simple. On s'est fait un peu d'argent. Moi, bon, j'ai 23 000. Là, va falloir vraiment attendre. Ah, attendez, peut-être faire la roue, je crois. Je peux peut-être la faire en espérant d'avoir un shinobi. C'est tout ce que je veux. Non? Il est super loin. Allez! Tu peux le faire, bro. Come on. Come on. Come on. Tu peux le faire.
Tu peux le faire. Waouh. Oui, il charge. Mais normalement, la roue, je pense, en plus, je peux l'utiliser. Donc, logiquement, je peux me faire un peu de trucs, mais waouh. Waouh. C'est quoi, mon smartphone, il a lâché? Ah, d'accord. Donc, c'est les serveurs qui m'ont planté. This function will be used. Ah, ok, d'accord, c'est level 30. Putain, c'est tout level 30. Oh! Eh bah, bon, bah, prochaine vidéo, va falloir, je pense, impérativement se mettre level 30. Voilà, essayez de faire un peu comme moi, c'est-à-dire garder vraiment un maximum d'argent, parce que je vous garantis que vous en aurez besoin, surtout pour vraiment level up, ça, ce qui va être des 5 étoiles en level 50, parce que maximum, ils peuvent aller au level 50, et c'est pas la chose la plus importante. Ah bah là, il m'a... Ninja Online s'est arrêté. Ah bah, la super application. Bon, bah, merci pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, vous faites comme vous voulez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out.